ce soir, on fête la nation québécoise. Non. On fête pas parce qu'on est meilleur que les autres, on fête pas parce qu'on est plus beau, ni plus fin que les autres. Non, 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 non. On fête parce qu'on est nous-mêmes. On fête parce que depuis 400 ans, on a le courage d'être différent. La nation québécoise. Ah, ça commence à l'intérieur, hein, de chacun d'entre nous. Hein? La nation, ça c'est nos petites ruelles, ça c'est nos jardins, c'est nos vieux amis, c'est nos nouveaux voisins. Ben, c'est nous autres tout ça. C'est nous autres, nous sommes nos vérités et nos mentries. Nous sommes nos rêves et nos folies. Nous sommes nos hivers. Nous sommes nos enfances. Nous sommes nos deuils et nos espérances. Nous sommes le cœur du peuple québécois. Non mais, hey, on a-tu été assez patient? Hein? On a-tu été assez déterminé, résistant? On n'était pas du bord des millionnaires. Non, non, on a eu froid, on a eu faim, on a eu peur. On a connu la grande misère et la grande noirceur. Mais on s'est raconté des contes. On s'est fabriqué des légendes. On a inventé, la chasse-galerie et son canot volant. On a fait courir Alexis le trotteur plus vite que le vent. Et on a invité Rose la Tulipe à danser avec son beau Satan. Mais aujourd'hui, notre canot volant, il voyage à travers les étoiles. Et les petites filles de Rose la Tulipe, ah, elles ont le vent dans les voiles. Mais c'est pas tout. Maintenant, c'est à notre tour d'entrer dans la légende. Parce que quand Robert Lepage réinvente l'opéra à New York, quand Céline et le Cirque du Soleil révolutionnent Las Vegas, on entre dans la légende. Et quand le monde olympique s'incline devant la grande Joanie Rochette, et quand un peuple se rassemble année après année pour célébrer son appartenance, eh ben c'est tout le Québec qui entre dans la légende. Pas n'importe laquelle légende, la plus fabuleuse de toutes, la légende du monde d'aujourd'hui. Jamais le monde a connu autant de révolutions. Et grâce aux nouvelles technologies, on découvre chaque jour de nouvelles galaxies. Et des millions d'enfants apprennent à écrire le mot le plus beau du monde, le mot démocratie. Et ce soir, comme c'est notre anniversaire, je voudrais faire un vœu, je voudrais que vous repartiez chez vous en vous disant que quoi qu'on dise, quoi qu'il arrive, hein, ce qui est certain, c'est que ce cœur de ce pays-là, ben, ça nous appartient. Fête nationale!